Hello tout le monde, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le deuxième épisode de Check ton artiste. On va aller rencontrer un jeune artiste suisse qui s'appelle Mathieu Noussam. C'est parti pour le clip interview. Je m'appelle Mathieu Noussam, je suis suisse et anglais. J'habite à Lézin, dans les Alpes suisses, donc je suis un mec de la montagne. J'ai vécu beaucoup de mon enfance là-bas. J'ai beaucoup voyagé quand j'étais petit parce que mes deux parents sont professeurs. Et du coup, j'ai habité au Liban, en Espagne, j'ai beaucoup habité en France, beaucoup habité en Suisse, du coup, vu que ça fait 10 ans d'habiter en Suisse. Et ça m'a beaucoup ouvert culturellement. J'ai beaucoup voyagé aussi depuis les dernières années. Je pense que ça se ressent aussi dans ma musique parce que j'adore découvrir la diversité dans les gens et dans les cultures. Et du coup, je pense que ma musique se ressent là-dedans aussi parce que j'adore visiter plein de styles différents. La folk un peu plus peut-être rythmée, un peu plus joyeuse, un peu plus enchantée, ouais. Je pense. En fait, j'ai commencé à faire de la guitare quand j'avais 14 ans et mon père m'a donné une vieille guitare qu'il avait payée 3-4 francs, je crois. Et puis c'était un truc, c'était une guitare de droitier en plus et je suis gaucher. Et du coup, il m'a montré des accords de Wonderwall de Oasis. Et je me rappelle avoir été assis sur mon lit et la première fois que j'ai réussi à aligner les 4 accords, je crois que ça a changé ma vie. La musique, c'était tout pour moi, quoi. Enfin, j'ai fait de la musique, j'étais dans un groupe. La première fois que j'étais sur scène, j'avais 15 ans. C'était aux promotions de mon école, j'étais avec un groupe. C'est la première fois que j'étais sur scène et ça, je me suis vraiment dit, ça, c'est un truc de malade. Le fait que tu peux transmettre quelque chose aux gens que toi t'es en train de faire, c'est un truc de malade. Enfin, ça nous touche tous, la musique, et c'est ouf. Après, j'étais dans plein de groupes, j'étais dans un groupe de ska, j'étais dans un groupe de punk, j'étais dans un groupe de rock un peu plus alternatif. Maintenant, je fais beaucoup de choses tout seul parce que je trouve que c'est là que j'arrive à mieux sortir ma créativité. Je travaille principalement solo, ouais. Je fais surtout beaucoup de guitare-voix en live. J'ai une pédale loop qui me permet d'enregistrer des trucs sur la pédale et de les rejouer en live et de jouer au-dessus. Je pense qu'il y a un méga changement qui est en train de se faire par rapport à la musique où c'est la personnalité de l'artiste qui est presque en train de primer sur la qualité de la musique. C'est-à-dire que l'artiste peut avoir une musique extraordinaire qui va toucher beaucoup de gens, ça va quand même marcher très bien parce que c'est une très bonne musique, mais s'il a une personnalité de merde, ça va peut-être pas très bien influencer sa musique parce que maintenant avec les réseaux sociaux et Instagram, tout ça, tu partages tellement avec les gens et tu te sors tellement toi-même que si tu partages pas bien la personne que tu es, ça va mauvaisement influencer ta musique. Donc des artistes comme Lewis Capaldi par exemple ou bien Ola Garland, c'est une artiste irlandaise qui est très très bien, ou bien Ed Sheeran par exemple, mm-hmm. qui donne une très belle image de lui à son public. Quelqu'un comme Bruno Mars par exemple, qui est extraordinaire au niveau musical. Puis Oasis aussi, j'écoutais beaucoup d'Oasis. Liam Gallagher, Noel Gallagher, c'est des personnages justement de malades qui n'ont pas peut-être pas une musique qui a révolutionné le monde de la musique, mais au niveau de la personnalité, c'est des personnages de malades. Je pense pas qu'il y a eu un moment où je me suis dit bam, j'ai envie de faire la musique ma vie. Je pense que c'était assez continu. Je pense que pour beaucoup de gens c'est comme ça. Parce que j'ai commencé la guitare, après j'ai chanté depuis que j'étais tout petit, hein, donc j'étais dans les chœurs tout le temps. Et puis du coup, la musique c'était toujours avec moi. J'ai toujours aimé être sur scène et devant les gens. J'ai jamais réussi à me mettre une idée, à me dire mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, être devant les gens, être sur scène. Après j'ai commencé à faire la guitare. Je me suis dit ah c'est cool. Après je me suis dit ah tiens, je peux chanter et faire de la guitare en même temps. Je me rappelle une fois, je crois qu'il y a quelques années, mon père m'a posé une question. On est regardé les mecs qui font le son, les mecs qui font la lumière, les mecs qui s'occupent du public et tout. Est-ce qu'il y a un job que tu te vois faire? Et je me suis dit, le seul truc que je dois faire, c'est être sur scène. Alors, il y a beaucoup d'artistes qui écrivent leurs chansons à beaucoup. Ouais. Non, mais j'écris tout. La partie composition, je la fais moi-même. Ouais. Les paroles. Je commence souvent avec la guitare. Et après, j'ai les paroles qui viennent, quoi. Souvent, qui tournent autour de l'amour, les ex-copines, les futures copines. Il y a un guitariste dans un groupe qui s'appelle Wolfpack. C'est un groupe de funk qui sont américains. Et il y a un des guitaristes qui s'appelle Corey Wong, qui est artiste solo et il fait des trucs de malade à la guitare et j'aimerais trop, trop faire un truc avec lui. Je pense que si je devais choisir un artiste, ce serait lui, ouais. D'ailleurs, s'il regarde cette vidéo un jour, pourquoi pas, quoi. Alors, j'ai beaucoup vacillé entre les écoles, vu que quand j'étais petit, on a beaucoup voyagé. J'ai commencé dans une école en France où on avait un jour de cours en français, un jour de cours en anglais. Après, on était au Liban, j'étais dans une école privée. Mon père était directeur et ma mère était ma prof de français. Du coup, j'ai fait un an et demi, deux ans de cours en libanais, duquel je n'ai plus de notion parce que j'ai tout oublié. Après, on est revenu en Suisse. Après, j'ai fait le gymnase. C'est surtout là que ça m'a ouvert. Okay. Bam, la musique, c'est ouf. Donc, après, j'ai fini le gymnase en 3 ans. Après, j'ai fait 2 années sabbatiques où j'ai fait mon service militaire. J'ai beaucoup voyagé. Je fais l'Asie,
voyagé avec un ukulélé. J'ai travaillé comme volontaire aux écoles et tout. Et j'ai travaillé dans un studio de musique de métal. Et du coup, il y avait des groupes de métal asiatique qui venaient jouer au studio. Et je peux vous dire que le métal asiatique, c'est autre chose. Et du coup, là, je suis à l'université. Ouais, je viens de finir ma première année en psychologie. Mais j'ai découvert un truc il y a quelques années qui s'appelle la musicothérapie. Et je trouve ça vraiment intéressant. Et du coup, c'est pour ça que je fais de la psychologie, en fait, pour accéder un peu à l'intérieur de la tête de l'homme. Je voulais clairement être footballeur. Et après, j'ai découvert la musique et là, c'était un peu waouh. Je me dis, est-ce que je peux faire de la musique et du foot en même temps? Je pourrais écrire des chansons sur le football. Alors, les peurs, les doutes, je les avais au début de la musique. Je t'avoue que maintenant, le fait d'être sur scène, je vois plus ça comme un plaisir, en fait. Je me sens tellement... Je pense que maintenant, je vais sur scène et je suis dans une bulle, en fait. Et je me sens tellement confortable et d'être devant les gens et pouvoir partager ma musique avec les gens. Ça me procure tellement de bien que j'ai l'impression que tout se met sur pause. Je pense que la musique, une autre raison pour laquelle je suis tellement à fond là-dedans et c'est tellement une passion pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Je vois ma musique, comme un peu un ami imaginaire qui est à côté de moi tout le temps, qui me fait des petits câlins quand j'en ai besoin. Maintenant, je me suis dit, ok, bah, j'ai une opportunité de me lancer et je me lance, quoi. Donc, moi, j'ai quand même un petit stress. Mais voilà, enfin, j'utilise ce stress pour aller de l'avant. L'avenir de la musique, ça revient un peu à ce que j'ai vu avant, c'est qu'avec les réseaux sociaux et puis la culture de l'internet et tout, qui a tellement une place énorme. Je pense à des Lewis Capaldi, je pense à des Oasis, des Liam Gallagher. Le mec, il va sur des interviews de radio et il dit ce qu'il pense, ce qu'il veut. Mais du coup, ça veut dire que les gens l'adorent parce qu'il est naturel. Et du coup, il y a moins de place dans la culture musicale maintenant pour les artistes faux, des gens qui n'ont pas de personnalité musicale. Si tu vas voir un concert aujourd'hui, et je pense que tous les gens qui regardent cette vidéo, quand ils vont voir un concert, ils n'ont pas envie que leur artiste préféré débarque, joue 15 chansons et s'en aille. On a envie de passer une heure et demie avec notre artiste préféré qu'on connaît tellement mais que lui nous connaît pas. Moi j'ai envie que si je vais voir mon artiste préféré, je veux qu'il arrive, qu'il fasse des blagues, qu'il discute avec nous. Je vais répondre avec ce que tout le monde dit, c'est d'en vivre. Je veux vivre ma musique. Au fond, est-ce que j'ai vraiment envie? Je sais pas. C'est quand même une culture qui est difficile. C'est un monde dans lequel c'est difficile de rentrer, plus difficile d'y rester. Je pense qu'il y a beaucoup de toxicité sans avoir vraiment vécu dedans. Et du coup, je pense que juste le fait de pouvoir partager ma musique à le plus de gens possible. Et je pense que si un jour, une personne que je connais pas me croise dans la rue et me dit « J'ai trop aimé ton son, ça m'a amené tellement de larmes. J'ai écouté ton son avec des potes en soirée, c'était trop bien. » Je crois que j'arrête. J'ai pas envie d'avoir un son qui fait des millions de vues. J'ai juste envie de partager. Si les gens aiment, ils aiment. S'ils aiment pas, ils écoutent pas. Mes passions, je dirais que c'est le football. Je faisais beaucoup de football. Maintenant, j'en fais plus. J'adore le bateau. C'est mon rêve, une fois, c'est de faire le tour du monde en bateau à voile. Là, j'adore le voyage. La marche en montagne, j'adore. Et puis, passer du temps avec des gens, enfin... Je suis pas quelqu'un de très solitaire. Je pense je prends beaucoup de plaisir à être avec les gens et à partager. Je sors du studio, là. J'ai mon EP enregistré. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de mes projets musicaux qui vont, je l'espère, du bien au à peu près bien, qui vacille entre le très triste, le moins triste et le plutôt joyeux. Et voilà, j'espère que vous aimerez bien. Keep on overthinking what to say and how to hold a simple conversation, and our lives should be resolved. Oh, 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 oh. Now tell me some other shit, I'll go ahead and just believe. Oh, it's all I need. And then leave. I'll be
I'll sit with my ghost, like a kettle boiling on its own, waiting for inspiration to fall. Les amis, c'est la fin de ce clip interview. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, un maximum de pouces bleus pour me soutenir. Également en commentaire, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton s'abonner. C'est gratuit. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Check ton artiste. C'était Nono. You.